Le Parlement portugais a adopté mercredi en première lecture un projet de budget 2013 d'une dureté sans précédent, approuvé par les deux parties de la coalition au pouvoir. Le texte prévoit une hausse généralisée des impôts ainsi qu'une nouvelle taxe sur les transactions financières, des mesures qui devraient rapporter plus de 5 milliards d'euros à l'État et qui permettront, selon le gouvernement, d'atteindre les objectifs de réduction du déficit. Mais l'opposition qui a voté contre juge que ces nouvelles mesures d'austérité vont aggraver la récession et entraîner une hausse du chômage. Les syndicats ont appelé à un mouvement de grève générale le 14 novembre.